Citation. L'émotion est vive, bien sûr, dans tout le pays et dans toute la communauté catholique. Écoutez le père de Labre de la paroisse de Martigues. La chose, c'est d'abord les sentiments, et donc c'est d'abord d'une part une colère contre de tels actes, mais c'est aussi un dépit, et puis c'est aussi une immense tristesse aussi, et c'est aussi tout ça qui habite le cœur. Hein, et la première chose, c'est d'accueillir ce qui nous habite, en fait, hein, et tous ces sentiments. Voilà, et je les accueille, et en même temps, c'est aussi de se tourner aussi vers Dieu en même temps, mais tout en sachant que c'est aussi difficile. C'est aussi difficile, voilà. Ce sont les mots qui permettent d'éviter de basculer dans la rancœur, le ressentiment, la haine, et qui permettent de nous éviter tout cela et de nous recentrer sur le fond. Voilà. De toute religion, croyant ou non croyant, beaucoup de gens ne veulent pas ça, et de faire confiance à tous ces gens qui ne veulent pas ça. Ouais. Et garder confiance dans l'humanité, dans toute l'humanité, et de faire confiance à ceux qui veulent lutter contre ça profondément. Voilà, garder confiance en l'humanité. Le père Benoît Delabre, joint cet après-midi par